Un énorme incendie s'est déclenché dans une usine du nord de la France. Les flammes sont apparues tôt dans la matinée dans la ville portuaire de Rouen. Les autorités locales ont déclaré qu'au stade actuel, aucune victime n'était à déplorer. Près de 130 pompiers luttaient ce matin contre l'incendie et un cordon de sécurité a été mis en place. Les habitants ont été évacués dans un rayon de 500 mètres autour de l'usine chimique qui est située près du centre-ville et de la cathédrale historique de Rouen. Selon un responsable local, les premières analyses montrent que la fumée n'est pas hautement toxique.